Road, l'un des stades les plus emblématiques du foot anglais. La team Dada est ravie de vous retrouver pour vous faire vivre ce beau moment de foot. Et comme le dit Omar, on s'attend à un match effervescent. Et l'ambiance dans le stade est magnifique, ce qui annonce une rencontre de toute beauté. Un nul suffirait pour les rapprocher des matchs et des promotions. Un petit nul pour nous, mais un grand pas pour le mode club. Eh bien fait, quelle ouverture! Oui, très bon timing sur cette passe. Ça sort des limites, c'est une touche. Et les voilà en possession du ballon. Oh vas-y. Prochain coup je la fais au rouge. Ballon loin devant, la défense écarte le danger. Oh c'est bien défendu. Et la frappe, encore là pour contrer cette frappe. Et finalement le gardien s'empare du ballon. Henri. Ouais, le ballon en cloche par-dessus, c'est bien joué. Ouais, la bonne intervention pour soulager son équipe. Et attention à cette perte de balle proche du but. Ça c'est un super élément évidemment de cette équipe. Reste à savoir à quoi maintenant on peut s'attendre durant ce match. Un colosse, un géant, un titan. Voilà maintenant ce qu'il est dans l'histoire de son club. Ah, il s'est bien anticipé cette passe en profondeur. Oh, l'interception très haut sur le terrain. Oh putain. Attention, dans la surface, il y a du monde évidemment. Le ballon qui est perdu. Un bon travail sur l'aile pour bouger le bloc adverse. Ah, le ballon intéressant. Goal, 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 goal. Et ce but est un déclic. Il va conditionner la suite. C'est maintenant un autre match qui commence. C'est reparti. Une réaction peut-être des Strikers Juniors. Ouais, la bonne ouverture, magnifique. Ouais, le drapeau s'est levé, dommage, sur ce ballon donné en profondeur. Effectivement, mais la relation passeur-receveur manquait d'entente. Et c'est une remise en jeu à venir. Attention au pressing là. Bonne conservation du ballon dans leur moitié de terrain. Ah mais non, c'est pour le bleu, mais c'est pour le bleu, c'est pour le bleu, c'est pour le bleu. Dommage. La musique n'avait pas commencé, il avait déjà commencé à danser. Très bon timing sur cette interception. Ah non, faut s'appliquer, c'est pour le gardien. Vers la surface, le centre part bien, c'est bien joué. Le danger est écarté. Sur Mohamed. Un peu de chance pour tenter une frappe. Goal ! Le but pour le doublé. Quelle réussite, quel sens du but. Sa forme est étincelante et ça nous donne des frissons. Allez, il faut l'aider, il faut lui proposer des solutions là. Le tir. Et le gardien renvoie, mais ce n'est pas fini. Bien joué de la part de la défense, le danger est écarté. Avantage, ça joue, c'est bien arbitré. Avec un peu de chance sur ce côté.
pression pour empêcher la relance. Touré. Très bonne intervention, sans faute. Alors, nouvelle faute et attention au carton. Un deuxième et c'est terminé. C'est un deuxième carton jaune dans ce match. Exclusion, c'est logique. Bien sûr, quand tu es déjà averti, il faut éviter ce genre de geste. Ou la faute signalée par l'arbitre. Et attention, parce que ça peut valoir un carton. L'arbitre, elle sort un carton jaune. C'est une situation limite avec déjà cette infériorité numérique. Attention aux hautes températures émotionnelles. Le pied est chaud, oui, mais la tête froide. Ouais, c'est bien fait pour éloigner le danger. Ballon sorti, corner à suivre. Débarrasse du ballon là. Magnifique, quelle passe! Ah, dommage, le geste technique n'est pas réussi. Beaucoup trop de précipitation dans son geste subtil. Ce ballon piqué est complètement manqué. Eh non, c'est rendu ça. Le ballon qui est perdu. Ah, le corps bien placé en opposition. L'arbitre laisse l'avantage. Ah, mais finalement, elle revient à la faute. L'avantage ne profite pas. Et voilà, donc l'arbitre vient de siffler la mi-temps. Et voilà le coup d'envoi de cette deuxième période qui est donnée à l'instant. Le centre vers la surface de réparation. Oh là là, mais quel dommage, c'était le ballon du hat-trick. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de marquer 3 buts dans un même match. C'est vrai, parce qu'un doublé, c'est déjà pas mal. L'ouverture en profondeur. Et c'est devant. L'écart se creuse un peu plus avec ce troisième but. Quelle était dangereuse cette passe. Vous voyez, la passe est vers l'avant. C'est elle qui vient casser les lignes. Et à la conclusion, il y avait plusieurs options, mais une frappe qui vient du cœur à mi-distance, comment ça, c'est absolument imparable. Le ballon sort, c'est une touche.
Ah, il t'a bloqué. Et le ballon est récupéré. Et non, ça ne passe pas. Le ballon est renvoyé. Ah non, hors-jeu signalé là, dommage. C'est un ballon de contre à jouer. Et bien fait, attention à l'occasion. Mais quel but! Quel génie! Quel artiste! Quel esthète! Ah, c'est la punition, 4-0 au tableau d'affichage. Bon ballon à jouer pour profiter du couloir. Et ça passe pas loin du tout du but sur cette reprise de volée. Mais on n'y est pas, donc c'est raté. Ouais, bonne agressivité à la récupération. Allez, hop, c'est dégagé, on prend pas de risque. Henri. Allez, c'est bien défendu, sans commettre de faute. La conclusion peut-être sur ce ballon. Oh, le face-à-face perdu. La frappe puissante n'était pas la meilleure option. C'était trop risqué de passer en force. Hey, c'est bien défendu, sans faute. Il y a un contact, mais l'arbitre laisse jouer, laisse l'avantage. Les 20 dernières minutes maintenant de la rencontre. Ah, désolé. Ouais, super, le ballon donné dans la profondeur. Ouais, drapeau levé et hors-jeu signalé sur ce ballon en profondeur. Dommage, il y avait un bon appel, mais la passe est partie avec un petit décalage. Ah, le renversement de l'autre côté. La bonne lecture pour stopper cette offensive. Henri. Bien joué dans le dos de la défense. Et hors jeu, l'arbitre n'a pas hésité. Ça partait bien cette passe en profondeur. Mais l'appel de balle est un peu précis. La relation passeur-receveur, c'est comme un couple. Il faut qu'il y ait une harmonie, une complicité. Et il faut savoir s'emboîter. Oui, faute, mais l'arbitre fait signe de jouer. Avantage. Eh oui, signalé en position de hors-jeu. Il y a du soutien en attaque. La récupération haute, le pressing est payant. Oui, c'est bien fait, c'est bien joué. Ah, il peut prendre sa chance. Et voilà un face-à-face plutôt très bien négocié par le gardien. Il n'en laisse quasiment aucun angle. C'est bien fait de sa part. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Ouais, ce ballon qui est perdu. Ouh là là, la faute, attention, parce que ça peut lui coûter un deuxième jaune.
Elle sort le deuxième carton jaune dans ce match. La réponse, elle est très simple. Eh oui, ça fait rouge, même au moins, je le sais. Et à l'ancienne, le dégagement en touche. Ballon dans la surface. Oui, bien fait. Bonne intervention là. Il y a de l'art, de la création, de l'enthousiasme, de la beauté. C'est ça le football. Vive le football! Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Oh, la frappe. C'est n'importe quoi, je comprends plus. Je crois que la frappe, ça fait 5 minutes que j'ai appuyé sur le bouton tir. La perte de balle, ça peut s'avérer très dangereux. Et le ballon vers la surface de réparation. Et bim, c'était bien. Littéralement transpercé le ballon sur cette tête plongeante. Quelle humanité. Voilà une action qu'on revoit avec plaisir, avec ce centre parfaitement exécuté qui amène bien le danger dans l'axe. Et voilà le cabezazo, la tête qui vient conclure un mouvement très intéressant et envoyer le ballon dans le but. Plus qu'une petite minute à jouer dans le temps réglementaire. Ah putain, je voulais jouer avec le rouge. Et on en reste là donc pour cette rencontre, un bon match de l'équipe en déplacement qui s'impose. Contrôle du match et de l'enjeu, c'est une... Bon, moi je vais vous laisser là-dessus. C'est... Bon, allez.